Bien joué, Ethan. Zoé, c'est ça? Qui sont ces cinglés? Tais-toi et écoute bien si tu veux rester en vie. Tu dois sortir de la maison. Il y a peut-être une issue via le hall principal. D'accord. Oh, le truc à ton poignet est un codex. Ne le perds pas, c'est important. Charmante. Par ici! Hé, vous devez m'aider! Du calme, reculez. Bon, vous vivez ici, monsieur? Est-ce que c'est votre maison? Quoi? Moi, non, non! D'accord. On a eu plusieurs appels à propos de personnes disparues récemment. Vous comprenez pas? Je dois sortir d'ici! Bon, calmez-vous. Mais vous m'écoutez pas! Il y a une bande de tarés dans cette maison qui essaie de me tuer! D'accord, que les choses soient claires. Vous ne semblez pas vraiment être en position de force, là, ok? C'est une blague! Écoutez, comme je vous ai dit, on a plusieurs cas de disparition. Et rien ne prouve qu'un étranger comme vous n'est pas impliqué là-dedans. Très bien. Je vous dirai ce que vous voulez. Bien. Je préfère ça. Allez, retrouvez-moi dans le garage. On discutera là-bas. Hé, attendez! J'ai besoin de votre arme. Vous devez être tombé sur la tête. Écoutez. Monsieur l'agent. Shérif adjoint. Ok. Monsieur l'adjoint. Vous voulez voir mon nom dans la rubrique nécrologique? Ou vous voulez être un héros et me sauver la vie? Un simple couteau de poche? Allez. Prenez-le. C'est tout ce que vous aurez. Maintenant, au garage.
C'est un ordre. Qu'est-ce que je vais faire d'un couteau ?